Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour l'épisode 2 sur Marvel Avengers. Dans la dernière vidéo, eh bien, on avait pris le contrôle d'une fan des Avengers. C'était le jour des Avengers où les Avengers voulaient révéler, voilà, avoir trouvé une source d'énergie non polluante, etc. Donc on a un petit peu visité un petit peu le stand hein, où se passait cette fête. Et un problème est survenu sur le Golden Bridge de San Francisco, puisque ça a l'air de se passer à San Francisco, hein. Le Golden Gate, voilà. Il y a un problème sur le pont du Golden Gate. Captain America envoie les Avengers pour voir ce qui se passe, puisque, bah oui, il y a eu du rabuge là-dessus. Et on contrôle le Thor pour le moment, et Thor, eh bien, contrôle évidemment son marteau Mjolnir. Et on reprend exactement là où on s'en était resté la dernière fois. Non, juste coincé. Vous avez de la chance, je suis très puissant. Merci, Thor. Mettez-vous à l'abri. Ok. C'est Thor. À terre, les secours arrivent. Alors on peut esquiver également. Donc je suppose que ça c'est chaque Avenger qui aurait une capacité de... Oh, il y a un truc à récupérer là. Ah oui, toujours plus d'ennemis avec les boucliers, très très bien. J'adore. Ah d'accord. Ah, maintenant. On vient de me le confirmer. Un convoi du Shield a été détourné ce matin. Ce serait pas un débriefing de Fury que je dis jamais? Tu devrais, Tony. C'est important. D'accord, peu importe. Des roquettes plus ça. Ah, par contre. Que Fury avait rangé tous mes gadgets au même endroit. Ces roquettes vont déstabiliser le pont. Oui, je sais. C'est moi qui les ai fabriquées. Protéger le cristal terrigène. Si vous touchez, je suis déjà sur le coup. Le docteur Tarleton est en route vers la salle du réacteur. C'est chelou hein, quand on contrôle Iron Man là pour tirer. Qui m'a tiré dessus? Avenger, le convoi transporte les prototypes secrets du Shield. Fury cherche ce qu'il contient exactement.
Hill, comment va le chat? Dites à Fury que j'adore me faire tirer dessus avec mes propres armes. Je vous tiendrai informé. Et Goose va bien. Ah, je pensais pas que vous aviez entendu ça. Je pensais que ces idiots auraient fait demi-tour depuis tant. J'ai vraiment l'impression qu'on a un train de retard. Ça cache quelque chose. Ce vaisseau n'est pas prêt pour voler. Pourquoi il bouge? Quelqu'un a initié les protocoles de sécurité. Le Chimère est en pilotage automatique. Il te faut des renforts. On y retourne. Négatif. Sécurisez le pont. Ces armes ne doivent pas entrer dans la ville. Bien sûr. À toi, Bruce. Oui. Tenez car pour ses amis avec une attaque emblématique. Pourquoi il a sauté là? Sérieux? Dépêche-toi, mon grand, il a déjà bien souffert.
inventions sont dangereuses, Stark. Hé, hey, ces armes étaient destinées aux gentils. Est-ce que c'est censé être une blague? C'est pas le moment. Concentrez-vous un peu. Cap, il se passe quoi de ton côté? Je sais pas, Nat. On dirait que le réacteur a un problème. Je vois des relevés étranges sur les écrans. Comme si on était attiré par un signal thermique. Nat, ça va détruire la ville. Répète ça, Cap. Je te reçois vraiment mal. Nat, tu m'entends? Ah, un faux raccord, là, tiens. Évacuez les civils! Steve, tu m'entends? Nat! Nat! Carlton, vous êtes là? On a été trouvés! Carlton, on a un problème! Je sais, Doc. Ils essaient de détourner le chimère. Pas ça! J'avais jamais vu de tels résultats. J'arrive dès que possible! J'ai pas vu. Carlton, dites-moi ce qui se passe. Le réacteur ne se stabilise pas. La structure moléculaire du térigène se présente maintenant sous forme de gaz. Quelque chose semble alimenter le réacteur en énergie. C'est incroyable! Doc, je vous rappelle! On va pas tenir longtemps! Je fais de mon mieux, Carlton! Avengers, vous me recevez? Qu'est-ce qui se passe? Avengers, au rapport! Toujours plus. Berger? Avengers, si vous m'entendez, le convoi transporte une bombe à perturbation sonique très dangereuse. Nos ennemis vont tenter de la faire exploser dans la ville. On est en descente. Je répète, une bombe à perturbation sonique. Sécurisez-la au plus vite. Des bombes Sonic? C'est une blague ou quoi? Je croyais que l'ONU les avait bannis il y a des années. Allons voir ça. Voilà une entrée. Taskmaster. Il faut récupérer le détonateur. Si cette bombe explose, elle peut tout désintégrer dans un rayon de 15 km. Alors, on n'a pas de temps à perdre. Bah, heureusement, j'ai mis les sous-titres, hein, parce que... Technique, je suis le dernier en...
Bon, il y a pas mal de QTE quand même. La base du pont est sécurisée. Les gars, je reçois des ondes sismiques étranges. Tony, le camion. Compris. En tout cas, moi j'aime bien, c'est quand même c'est pas mal cinématographique quand même. Je prends ça. Tu sais, j'espérais t'affronter. Moi je pense jamais à toi. Viens te battre. Alors, contre-prise, appuyez sur R2 pour utiliser la prise de Black Widow et contrer les attaques signalées par un indicateur bleu ou jaune. Ok. Appuyez sur R2 pour faire une prise. Ça doit être frustrant de toujours avoir un train de retard. C'est une chimère, c'est ça? Et qu'est-ce que tu vas en faire, hein? Le vendre pour le franc? Je suis à la recherche de quelque chose de bien plus précieux. Et qu'est-ce que c'est? Je ne voudrais pas gâcher la surprise. Tu cherches encore des réponses? T'abandonnes? Jamais! Alors, qu'est-ce que t'as découvert pour l'instant?
que t'es pas le cerveau de l'opération. Et n'essaie pas de me distraire. Assez parlé. Là. C'est quoi le problème? T'aimes pas les surprises? La prochaine fois, prends de meilleures notes. On dirait que t'as perdu, non? C'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu trouves si amusant? Regarde bien, Romanov. Le monde se souviendra de ce jour. Le jour où leurs héros ont échoué. Qu'est-ce qui se passe? Toute la ville s'effondre. Bon sang, on s'est fait piéger. Steve, est-ce que tu m'entends? Sors de là et vite! Beta. C'est pas vrai. Il y a 5 ans, les Avengers ont présenté des technologies dangereuses et instables, provoquant malheureusement des dégâts sans précédent. Notre cher Captain America a été tué pendant la tentative de vol de cette technologie. Des milliers de gens innocents ont péri, et bien d'autres portent encore les cicatrices de ce que l'on nomme aujourd'hui le Heyday. Des centaines de gens sont tombés malades, se retrouvant enveloppés dans des cocons étranges qui leur ont octroyé des pouvoirs surnaturels. Sans remède connu, la maladie a semé la panique et s'est répandue dans tout le pays. Et alors que le SHIELD et les Avengers ont fait la promesse de rectifier la situation, c'est finalement le témoignage du docteur Bruce Banner qui a sonné la fin d'une ère. Votre groupe de soi-disant héros a fait de San Francisco une zone de quarantaine pleine de gaz toxiques. Des gens infectés, dotés de pouvoir, sèment le chaos dans notre nation. Beaucoup restent cachés et rôdent parmi nous sans que nous le sachions. Je vous repose la question, docteur Banner. Les Avengers sont-ils une menace pour la société? Oui. Leurs activités jugées illégales, nos héros autrefois glorieux se sont séparés. Mais de la tragédie est né l'espoir. Après la liquidation de Stark Industries, le docteur George Tarleton, lui-même victime du Heyday et fondateur de l'Advanced ID Mechanics, pense que la science est la solution aux problèmes de notre nation. J'aurais voulu voir ce qui est arrivé au capitaine Rogers, mais j'étais trop loin de la salle du réacteur. Je n'ai aucune réponse, mais je peux vous le promettre. Je ferai en sorte de tout mettre en œuvre pour garantir votre sécurité. L'AIM saura trouver un remède à la maladie des inhumains. Des paroles réconfortantes pour ces familles déchirées par la maladie. Mais n'est-il pas trop confiant? Beaucoup critiquent les stratégies de l'AIM. Et on peut voir les rangs de l'armée de la Résistance se renforcer de jour en jour. C'était Phil Sheldon, en direct pour l'anniversaire du Heyday. Incapable de voir la révolution qui se déroule sous leurs yeux. Allez... Vous êtes passés. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Hey, salut! Si tu trouves quelque chose, fais-en une copie. Je te trouverai. Ça m'intéresse. Wow, Stark rétro! Hey, tu as du temps pour parler, Beta? Ouais, bien sûr. Les filles vont partir pour la retraite organisée par la mosquée. Il n'est pas trop tard pour les rejoindre au bus. C'était ce soir? Kamala, on en a parlé. Cette retraite serait l'occasion de s'éloigner un peu de tout ça. Respirer un peu, rire. Nakia sera extrêmement déçue si tu n'y vas pas. Ouais, t'as raison. Je vais y réfléchir. Bien. C'est très bien.
Il y aura des glaces, hein. Oh, et encore mieux, il n'y aura absolument aucun garçon. Je t'aime, Beta. Je t'aime encore plus. Mais tu comprends pas. Alors, j'en étais où? Indice de mot de passe. Premier amour. Allez, Kamala, tu peux le faire. Ah ouais. Zut. Allez, quoi. J'ai dû taper en plein dans le mille. Je dois rejoindre le QG et regarder ce qu'il y a sur cette clé. Ok. Ah d'accord, donc elle peut sauter en mode normal. Ah oui, parce qu'elle a des pouvoirs maintenant, elle. Ok. D'accord. C'était une bonne idée. Donc, en fait, Captain America est mort, en fait. Elle s'élance et ne marque pas. Eh oui. Attends. Maintenir. Ah, ok, il y a des énigmes. Ouais, c'est sympa. Et voilà le travail. Ok. Et voilà. Pourquoi s'embêter avec des systèmes de sécurité dernier cri alors que je suis la seule à pouvoir réussir ce saut? De retour au QG. C'est le bazar, mais c'est mon bazar.
Si quelqu'un essaye de m'avoir à distance, il risque d'être surpris. Avec mes bras extensibles, c'est la victoire assurée. Ok. Ouais, il est bien usé. Je me demande si certains modèles sont adaptés aux frappes super géantes. Ah, ok. Il me faut mon ordi. Objet à collectionner, très très bien. Toujours fan de des Avengers quand même, hein. Si Abu les avait vus, il les aurait jetés. Il croit toujours que ce qui m'est arrivé au Heyday est de leur faute. Bon, on récolte pas mal de trucs, mais... Chimère. Ça vient sûrement des caméras de la salle du réacteur. Le docteur Tarleton. Mais vous étiez censé être sur le pont de commandement. Oh, Cap ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh non! Tarleton l'a enfermé? Il n'y a jamais eu de panne. Il a tué Cap. Oh mon Dieu, il a tué Cap! Quoi? La ballerine? Oh non! Le parc des héros. Je sais pas. Ça pourrait être un piège. Mais si c'était pas le cas. Je dois montrer ça à quelqu'un. Réfléchis bien, Kamala. Fournis la preuve et ce sera fini. Ok, eh bien, on va s'arrêter ici, rejoignez le parc des héros. On verra ça dans la prochaine vidéo, les amis. Bon. On a vu voilà ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec cette, ce nouveau personnage, Kamala ? Avec toutes ces personnes qui se sont découvertes des pouvoirs, etc. On verra ça la prochaine fois. Comme d'habitude, n'oubliez pas le soutien, le j'aime, le commentaire, abonnez-vous. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao, ciao.